Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Je suis Stony et on va procéder à un déballage et un petit test rapide d'un petit gadget qui vient d'arriver, que j'ai commandé pour l'été. Je vous cache pas que quand il fait chaud, on commande quoi? On commande... Ah, vous allez avoir du mal à deviner, croyez-moi. Alors, voyons voir. Il n'y a pas beaucoup d'indications sur le produit. Voilà, give you a fan, power banks, flashlight. Vous avez peut-être deviné là, non? Allez, on déballe, c'est parti. Je vais vous en dire plus. Ah, attention, c'est scellé, donc il faudra ouvrir tout ça. Allez, c'est parti. Notice. Voyons voir. Emballage tout à fait classique. Un câble USB, vous vous en doutez. Voilà. Regardez-moi ça. Donc voilà ce que nous avons. Une petite notice, mais alors minuscule. C'est de l'anglais et de l'anglais. Donc désolé les gars, le français, ça le fera pas. Ensuite, on a une petite dragonne sympathique, un câble USB et le produit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce produit? Vous avez du mal à deviner peut-être. Donc la marque Yuhua, je ne connais pas, évidemment. J'aime bien le design déjà, une belle prise en main. Alors, il est question de quoi? Voyons voir. Déjà, c'est assez intriguant, rien que pour l'ouvrir. On ne sait pas y arriver, regardez-moi ça. Vous avez deviné, ça y est, c'est bon. C'est un ventilo portable. Alors bien évidemment, vous pouvez le recharger ici, comme vous pouvez le constater, via le câble USB. La prise en main est tout à fait correcte. Alors vous avez peut-être compris le principe. Le principe, c'est comme vous faites ça. Et voilà. On active. Voyons voir, le bouton, il est là. Et voilà. Très agréable. Donc si je l'avais mis à cette distance, honnêtement, ça me rafraîchit vraiment bien. Ça fait pas de bruit, c'est assez silencieux, très discret, et il semble-t-il qu'il y ait deux vitesses. Alors vous avez remarqué qu'il a un système de sécurité qui fait que si vous mettez votre main, regardez, ça s'arrête. Ça, c'est ingénieux, astucieux et sans danger. Alors les vitesses, je ne sais pas où ça se situe, ou alors il faut appuyer deux fois, on va voir, une fois. Une deuxième fois, exactement. Donc vous appuyez une deuxième fois et vous avez plein régime. Donc là, en termes d'autonomie, nous sommes sur quand même 18 heures, mais en vitesse 1, pas vitesse 2, 12 heures en vitesse 1, voilà. 3-4 heures pour la recharge. Alors non, j'ai pas tout dit, bien évidemment. Hormis le fait que ça soit, on va dire, un produit qu'on peut transporter, il a, on va dire, d'autres fonctionnalités. La première fonctionnalité qui n'est pas évidente, qui est bien cachée, elle est ici. Donc il s'agit d'une lampe torche, donc idéale pour la nuit. En fait, tout simplement, vous restez appuyé longuement sur le même bouton on-off. Le voici, vous appuyez 2 secondes. 1, 2, et voilà. Vous voyez un petit peu la puissance du truc? Vous voyez? Ça fait le job, c'est pas une petite lampe minable, hein, croyez-moi, hein, c'est une belle lampe de nuit. Hein. Voilà, vous restez 2 secondes appuyé pour l'éteindre. Ça, c'est la première fonctionnalité, donc c'est un appareil 3 en 1. Donc premièrement, ventilo, deuxièmement, lampe LED, troisièmement, vous n'allez pas le deviner, mais c'est une batterie externe pour smartphone, essentiellement, puisqu'elle fait, elle a une capacité de 2200 mAh. Voilà, donc 3 produits en un pour un prix ridicule. Voilà, je tiens à vous le dire, c'est pour ça que j'ai craqué. Moins de 18 euros, 17 euros et des poussières sur Amazon. Donc c'est un bon produit. D'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y en a pas en fait de ce type de produit. C'est un produit assez original et assez unique dans son genre, puisque vous avez sur Amazon des ventilateurs portables, il n'y en a pas tant que ça. Et le peu qu'il y a, ben, ils se ressemblent et ils n'ont qu'une fonction. Et il coûte en moyenne 15 euros. Donc pour 17 euros, vous avez un produit 3 en 1 et vous allez faire quelques économies. Voilà. Et en plus, il est portable.
Vous pouvez le ranger n'importe où. Il vient avec sa petite dragonne, donc pas de souci pour l'accrocher, pour l'avoir à votre portée de main. Voilà ce qu'on peut dire sur ce produit que j'ai un petit coup de cœur dessus. Donc je vous invite à checker un petit peu le lien dans la description. Voilà, hein, et puis n'hésitez pas. Hein. Un truc aussi, c'est les couleurs. Voilà, il est disponible en 4 coloris. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a je crois même du noir, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc 17,97 exactement, donc moins de 18 euros. Vous avez un petit ventilateur de poche que vous pourrez emporter partout, surtout pour durant l'été. Et puis ça peut être une idée de cadeau, honnêtement. Chapeau. Voilà, ce test est terminé, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez d'autres idées, en tout cas de gadgets comme ça, qui sortent de l'ordinaire et qui sont pas chers, abordables et très utiles, ben n'hésitez pas, vous le mettez dans le commentaire ou vous nous écrivez un mail à maxigadget@gmail.com. Voilà, j'ai terminé pour ce test. Si vous n'êtes pas abonné, ben c'est maintenant qu'il faut y aller. Abonnez-vous, vous allez découvrir d'autres produits de ce genre. Et puis n'hésitez pas à liker, un petit like, ça nous fait toujours du bien. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un test d'un super robot que je viens de tester et qui sera en ligne sous peu. À bientôt, à plus, ciao.